Allez, nouveau voyage, direction la Grèce dans un premier temps. Et là, je viens de me rendre compte, comme un bolos, comme un nul, qu'en fait, sur l'application Ryanair, ça m'a pris mes identifiants Google. Donc, problème de prénom, ils me mettent Papou. Papou, c'est pas mon vrai prénom, vous pouvez vous en douter. Je m'appelle Christophe. Et je m'en rends compte 2 heures avant le vol. Donc, soit j'embarque pas, ou soit je vais me prendre une belle amende. Dans tous les cas, le voyage commence dans le stress. Je vous tiens au courant, à tout de suite, pour voir où on en est. Mes aventures d'entrée de jeu, il a fallu que je change mon prénom. Au lieu de Papou Christophe, sur le billet d'avion, et moralité de l'histoire, vous le saurez pour la prochaine fois, c'est 160 euros. Si on fait une faute d'orthographe, on peut peut-être s'arranger, mais là, c'était le prénom complet à changer. Donc, 160 euros, c'est le prix des billets à deux. Allez. Ben là, on va bientôt embarquer direction Corfou. Coucou les amis, petit café, tranquille. Bon, hier soir, j'ai pas filmé. Déjà, parce que la GoPro, c'est pas terrible quand il fait nuit. C'était sympa, petite balade très rapide. Hein. On est rentré, il était tard. Enfin, on a atterri, il était minuit. Voilà, on s'est couché à 2 heures, on n'a pas trop dormi. Et là, aujourd'hui, ben, on attaque la visite de Corfou, la ville. Et voilà, c'est ça en image. Donc, allez, c'est parti. Après cette jolie balade dans la vieille ville de Corfou, nous allons nous promener parce qu'on a largement le temps avant d'aller prendre le bateau à la Sea Tower. Il y a un rocher qui est là-bas au bout. Bah ouais, j'étais voir sur Google. Alors nous on va retourner un petit coup dans la vieille ville parce que le bateau c'est pas maintenant. Donc c'est ce qu'on disait, la vieille ville c'est vraiment très sympa à faire. Bon alors prévoyez une demi-journée, là comme nous sur la journée entière, bon c'est un peu beaucoup. Et alors, je vais pas faire de blagues sur les Grecs. Alors si quelqu'un sait, je viens dans les commentaires qu'on m'explique pourquoi il y a des zizi partout. Il y a des zizi savon, des zizi en bouteille d'alcool, des zizi en bois, des zizi en magnette. Partout où on va, il y a des zizi. Alors, si quelqu'un a la réponse, quelle est cette passion du zizi chez les Grecs? Je veux bien dans les commentaires. Allez, on se donne rendez-vous tout à l'heure sur le bateau. Ciao les amis. Donc, j'ai pas filmé dans le bateau parce que ça a été très 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 compliqué. On n'avait pas le billet sur papier, on n'a pas voulu nous laisser monter. On a essayé 2 fois, le guichet de la compagnie de ferry était fermé. Ouais, ça a été vraiment une galère et au dernier moment, à 15 minutes de la fin, on a tenté un dernier passage à fonctionner. Donc nous voici en Albanie, on va vite récupérer la location et puis se trouver un truc à manger pour ce soir. Bon, l'Albanie, ça grimpe. Ça jante même pas mal. Voilà, on va arriver à notre première location. Un peu fatigué de la journée. Et voilà, je vous montre l'arrivée. Regardez comme c'est beau. Je peux plus.